À tout juste 21 ans, le jeune homme est champion d'Europe et du monde de race. Valérie Chopin et Antoine Roper l'ont croisé du côté de Pornichet. La voile déjà est à 25 mètres devant, donc on glisse juste avec la planche et naviguer juste avec le vent, c'est extraordinaire. On a la sensation de légèreté, de voler au-dessus de l'eau. On a juste le bruit du vent et de la planche qui tape contre le clapot et ça c'est vraiment super. On va faire ça. Donc on va une passion naît très tôt, ici, dans le magasin de ses parents. Olivier, l'aîné des trois enfants, y passe beaucoup de temps. Curieux, aventurier, il a déjà l'envie qui le caractérise de tout essayer. À 10 ans, c'était le premier à me demander de faire du kitesurf. Moi, au début, j'étais un peu sceptique. Je trouvais que le sport était un petit peu dangereux il y a une dizaine d'années. J'étais pas trop chaud pour l'initier à ça. Et ben, il s'est débrouillé tout seul. Aujourd'hui, champion d'Europe et du monde sur les parcours de longue distance, l'étudiant en école de commerce a déjà un sacré CV. Il n'est pas pour autant rassasié. Bah après, on peut toujours faire double champion du monde, triple champion du monde. Olivier sera-t-il au JO de Rio? En attendant, lui qui rêve de devenir courtier a aussi des études à terminer.